Bienvenue sur la chaîne de Eretonio. Alors aujourd'hui, on fait une musique du jour, mardi 22 mars 2022. 25 modèles. On commence tout de suite avec cette BTA, c'est la première grande dernière de la modèle, en blonde cette fois. Édition numéro 2, c'est très bien déjà, moitié rose, moitié noir, avec ses lunettes en ferraille, son corset. Ses lunettes avec ses pics sur son masque en cuir, moitié gris, moitié noir. Numéro 8, en camouflage avec les araignées au mur. Jackpot.exe, profil de la nature. Elle virait très positif officiel une première fois. Position numéro 7, Alienex Baby, et donc moitié gris, moitié noir, avec sa petite nuque sur la joue, le tatou Angel, ça veut dire ange. Julia Fox 666 avec ses piconniers piconniers. La Mitch Kitten s'essaye dans le rose avec ses deux de gants en cuir avec des lacets roses. Lily avec le tatou du diable sur le dessus de la main qui descend jusqu'au bras. Et Elvira Trepovici officielle une deuxième fois. Ninja.v, une experte des arts martiaux. Gauze Daniela s'essaye dans le rose avec les souliers roses, la jupe rose, le top rose et sans perruque. Tania Bright évite de justesse un harfang des neiges. Horror Ellie, à moitié noir, moitié rouge, dans la pénombre avec ses quatre roues. Stupid Bean s'essaye dans les vinyles avec ses grands pics et les couleurs. It's Mimi sur sa chaise de gamer avec ses écouteurs de gamer à l'arrière. Adrienne Trinity en position 18, statuesque. Roliath avec son néon sur le mur, le mur, les cheveux blancs, encore les cheveux blancs. Apple Crumbless dans son bain avec ses chandelles. Yano Tiki va bientôt repeindre son plafond avec ses mèches rouges. Sacha Massacre attend le début de la messe pour faire ses sacrements. Jessica Fox Statue, ses tatoues, sa bouche qui dépasse ses lèvres. Il avait Wifi, profil de la nature. Alistan, en position 25, bien assurée sur elle-même, tellement. La grande gagnante, mise du jour, mardi 22 mars 2022, It's Baby Chaos, la première grande gagnante de la guerre des modèles avec cette photo. En blonde cette fois donc, c'était Eric M. Legault. Jusque la prochaine.